衆を受精な手段たちの受精があるか。では、説明をさせていただきます。西欧諸国で開発された外国語教育の目的、目標、教授法等は、アジアの外国語教育に合っているだろうか。Les objectifs des luttes et des méthodes d'enseignement des langues étrangères développées en Occident sont-ils bien adaptés à l'enseignement en Asie ? Il s'agira de la problématique de la contextualisation qui désigne l'adaptation aux exigences particulières ou locales d'un environnement social sans transposer un modèle d'une société à une autre.ここで問題にしている文脈化とは、ある社会のモデルを別の社会に単に移し替えることではなくて、既存のモデルをローカルな環境に適応させることである。Alors, nous passons maintenant à l'introduction des problématiques.問題提起1、ヨーロッパ言語共通参照枠の需要と文脈化。このプロデマティック1、La transposition et la contextualisation du cadre européen commun de référence pour les langues。問題提起2、複言語主義、複文化主義とグローバル化と多極化。このプロデマティック2、Le plurilinguisme et la pluriculturalisme à l'ère de la mondialisation et de la multipolarisation du monde. 問題提起3、ICT とポートフォリオを用いた技術学習と複言語能力、複文化能力の要請。プロデマティック4は、l'apprentissage autonome à l'aide des TICU et du ポートフォリオ en faveur des développements de la compétence plurilingue et pluriculturelle.Alors maintenant un peu de détails. Nous avons trois problématiques, mais la première problématique. Problématique 1. なんか今フランスだけになってしまって思いました。はい、問題定義1について、少しだけ詳しくですね。まず最初は、ヨーロッパ言語共通参照枠を参考にして、外国語教育の改革に役立てようとする動き。2、共通基準、共通参照レベルとキャンドゥリスト等に限定されている参照枠の日本における需要。3、忘れられているヨーロッパ評議会の言語政策に基づいて作成された参照枠の目的、目標。41、une tendance nouvelle à réformer l'enseignement des langues étrangères avec du cadre européen commun de référence pour les langues. En jeu 2, la transposition du cadre semble être limitée au niveau commun de référence et aux échelles d'auto-évaluation. En jeu 3, la négligence des buts et des objectifs du cadre défini à la lumière de la politique générale à l'égard des langues du Conseil de l'Europe.問題提起について少しだけ詳しく、はい、ヨーロッパのグローバル化に社会のグローバル化に伴い国際語としての英語の地位はますます高くなっているのに対して英語以外の外国語の国際語としての地位は低くなっている。2、このような世界において今英語以外の外国語はどのような教育をすればいいのか。3、この疑問に答えてくれるのはヨーロッパ言語共通参照枠も提唱している複言語主義文化主義。En jeu 1, avec la mondialisation, l'anglais occupe une place de plus en plus prépondérante en tant que langue internationale, alors que les autres langues ne tiennent plus une grande place. En jeu 2, quel genre d'enseignement des langues étrangères autres que l'anglais va être mis en œuvre dans le monde d'aujourd'hui ? La réponse a été.Cette question semble résider dans le cadre du plurilinguisme et du pluriculturalisme. では、3です。
一三小学の提唱している副言語能力、副文化能力を養成するには、ライフルの学習者にとっては学習時間が不足している。2. その不足している学習時間を補うための切り札になるのが、授業時間外の自立学習である。3.ICT の進歩と復旧とポートフォリオの導入により、自立学習は今新しい局面を迎えている。À l'instar de la proposition de cadre, afin de développer la compétence culinaire et pluriculturelle, le nombre d'heures de cours alloués aux cours de langue étrangère ne s'avère pas du tout suffisant pour la plupart des apprenants. En tout cas, l'apprentissage autonome en dehors des cours est donc un atout pour régler ce problème. En tout cas, les TICU et le portfolio ouvre en effet une nouvelle phase de l'apprentissage autonome. Pour terminer, et de la saigone, et chacun de nos globales cato, c'est qu'il y a un paquet de cas de ce qui me passe. Quand on voit que le monde est un peu plus grand, c'est que les gens ne sont pas les gens qui sont 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 les教授法等について議論しよう。とてもね、en ces temps de mondialisation avancée et dans un monde en voie de multipolarisation, la contextualisation de l'enseignement des langues étrangères est aujourd'hui, plus que toujours, une nécessité indéniable. Le colloque offrira ainsi l'occasion de ses participants de discuter des objectifs des luttes et des méthodes d'enseignement des langues étrangères les plus adaptées à leur pays, à leur cadre d'enseignement et à leurs étudiants. Merci pour votre attention.